Depuis le début de sa relation avec le prince Harry, Meghan Markle fait face à de nombreuses critiques. Observé par les médias du monde entier, le couple Sussex est régulièrement sujet à des témoignages défavorables. Après la démission de leur chef de cabinet avant leur tournée en Colombie après seulement 3 mois, de nouvelles déclarations viennent renforcer les suspicions de comportement inapproprié de la part de Meghan Markle envers ses employés. Tom Sykes, le rédacteur en chef du Daily Beast, a rédigé un article dans le Sunday Times où il dévoile des conversations qu'il a eues avec certains membres du personnel de la duchesse de Sussex. Ces derniers affirment avoir été maltraités par la mère d'Archie et Lily Bay. Un ancien collaborateur du couple aurait fait des révélations à Tom Sykes. Il y a eu des moments vraiment difficiles, très difficiles, voire même perturbants. J'ai vu des gens se faire maltraiter en personne et au téléphone et se sentir très mal. C'était une période incroyablement difficile et je suis enclin à lui accorder le bénéfice du doute. Elle a elle-même dit qu'elle avait eu des pensées suicidaires à certains moments, a témoigné la personne en question à propos de la fondatrice de American Riviera Orchard. Par ailleurs, le journaliste révèle une autre anecdote qu'un fleuriste lui aurait racontée, jurant qu'il ne souhaitait plus jamais travailler avec Meghan Markle après qu'elle lui a crié dessus au téléphone. Ces reproches auraient eu lieu suite à une publication que le fleuriste avait partagée sur les réseaux sociaux, dévoilant un détail concernant un bouquet sur lequel il travaillait pour Meghan Markle. Il aurait omis de préciser que la duchesse était la cliente. Tom Sykes écrit ensuite, « Ils ont juré de ne plus jamais travailler avec elle, malgré le prestige que représentait sa présence parmi leurs clients. Si vous travailliez pour elle, vous étiez souvent traité comme un artisan qui pouvait être traité de manière désagréable. » En parallèle de ces témoignages négatifs au sujet de la façon dont Meghan Markle traiterait ses employés, d'autres très positifs ont également été livrés.